Et bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous tranquillement et confortablement dans ce live de qualité. On va reprendre du coup Cyberpunk pour la suite de l'aventure principale. J'ai fait 3-4 trucs à côté, hein, comme d'habitude, hein. J'ai fait 3-4 trucs sympathiques. Casse-toi, branleur! Putain de parasite! Ouais, non, y'a rien à faire ici. Ok, juste un vendeur de couteaux. Du coup, voilà, on va repartir tranquillement Quoi, pas mal de choses. pour l'aventure Si principale. vous cherchez comment casser un bras. On va voir un petit peu comment continuer tout ça. Je peux lui vendre. Ok, bon ça je vais la garder. Elle a l'air d'être sympathique quand même la petite matraque. Et puis. Puis je vais revendre tout le reste du merdier. Ça. 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 Ça et ça. Je retournais aussi à la planque, récupérer un peu de matos. Enfin, récupérer le matos, voir si j'ai le niveau pour. Si j'ai le niveau pour le. Pour le matos que j'avais. Ah, et le véhicule que j'avais n'est plus là, c'est génial. Et la planque, où est la planque? Elle est ici. Voilà. Allez, la moto. Bon. J'ai encore touché 3-4 trucs pour essayer de grappiller quelques FPS je suis en pleine ville. Ah, et ça fonctionne à moitié, hein. Clairement. Ça fonctionne à moitié. Dès qu'il y a un virage, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis apparemment, c'est pareil, apparemment, avec la carte graphique que j'ai, faut que j'attende un petit peu que la carte graphique comprenne que je suis sur un jeu qui est assez gourmand pour faire ses réglages tranquillement. D'après ce qu'on m'a dit. C'est vrai que des fois ça met un peu de temps à se stabiliser les FPS, malheureusement. Alors, ouais, par contre ces flics là, depuis le début, ils parlent la même chose. Hein. Thank you.
developed mutations and let you attack. Hey, attends, on part pas. Alors, du coup, on va aller voir si, si j'ai le niveau pour le mini-mitraillette que j'avais, un fusil d'assaut. J'avais récupéré un bon fusil d'assaut à un moment donné. C'est assez sympathique, mais j'ai pas encore le niveau avant. Puis on va voir si maintenant c'est le cas. Est-ce que j'ai le niveau? Ok, il n'y a pas de dégâts, c'est pas mal. Ah, alors. À niveau 28, ah oui, quand même. Ce qui est pas mal, c'est que les armes ne font pas de dégâts quand ils sont dans le. Niveau 28, niveau 28. Je sais pas quel niveau je suis. On va la reposer du coup, mais. Malheureusement, 280, ça fait combien, de dégâts ça? Celui-là je sais pas, comme ça, moi, 208, 9 et... Ok, bon, ça fait pas plus de dégâts que ça, ça. Je vais ranger ça, parce que ça je vais le... J'en ai pas besoin. Regardez quel niveau je suis. Ah bah j'ai encore fait un point. On va le mettre là-dedans. Enfin, on va le mettre là-dedans, arme de poing. Elle-même, parce que là très clairement je sais pas trop. On va mettre ça, parce que jamais si plus que j'arrive à foutre à mettre des balles têtes. Par exemple, je suis niveau 21, réputation 45. Je suis niveau 21, réputation 45. Ah oui, 28. Dans 7 niveaux, je pourrais enfin équiper cette arme-là. Qui semble toutes des plus qualitatives, évidemment. Donc. Ah, et je. Dans mon inventaire pour équiper mon arme silencieuse. Quel dommage. Une autre chaussure. Ah ouais. Ah non, en fait. Mon perso ne ressemble à que dalle. Du coup, on va partir pour la mission principale. Hein. Pour ça. Ça, on va faire ça. Oui, comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Dégage de là. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. Un client satisfait, j'espère. J'ai un truc qui vole.
Vraiment? Tu veux vendre un truc au VDB? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut, leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. On va acheter des munitions parce que je sens que ça va être une guerre encore absolue et totale là-dedans. Pistolet confirmé. Fusil d'assaut. Sniper. Il manque des trucs comme ça. On va en acheter. Acheter 5000. On va acheter de ça aussi. 6000. C'est quoi ça? Ah, oh, j'ai acheté ce plan. Ah, il y a ce truc intéressant là par contre. Peut-être pouvoir améliorer encore le pistolet. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Station. Oula! Golden! Golden pistolet quoi. Alors est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on... Ah j'ai pas encore mon niveau qui est assez haut. De dégâts je pourrais. Y a pas un truc... C'est bloqué. Je peux fabriquer des armes quand même. Est-ce que si j'en fabrique à la chaîne, ça va me faire monter mon truc vers haut? On va voir. Hein. 250. Si je fais d'amélioration dessus là. 700, ah oui, c'est quand même. Bon, on va continuer d'améliorer celle-là, même si... Je suis à 7 en fabrication, je peux pas monter plus haut. Okay. C'est où ça? Ah, c'est là, voilà. Ah ouais, non. C'est ça qu'il me faut. C'est-à-dire qu'il faut que je dépense un avec 4 points, enfin ouais, encore 3 points ici, que je bloque ça niveau 12 et ça c'est au niveau 18. Ouais. Je pexe un max hein. Ah bah du coup je vais lier. Mais qui voilà? Je vais juste hop, démonter. Et démonter. On récupère le matos. On perd notre matos. Notre piste est là. Mission. Il va faire. Non, pas de contrat. Mission annexe, je vais en faire pas mal, je pense.
Ah bah voilà. Ah, déjà on va se mettre en jambes. On va se mettre en jambes, on va faire un petit peu de boxe et puis... se mettre en jambes pour faire un petit peu de boxe et puis après on partira sur la mission principale. Deux bornes. Eh ben, pas la porte à côté encore cette histoire. Est-ce que par pur hasard il y aura un point de TP pour aller plus vite? Et pour vous éviter ce magnifique lag et saccade pour ma conduite. Alors, tu peux parler de ce qui s'est passé hier? Aïe! Putain, il en manque toujours. Bon bah apparemment non. Alors si ça merde pas trop. Du coup, bah... quand je joue de mon côté, je fais quand même à 90 FPS. C'est embêtant. Enfin 90 hors ville et en centre-ville je suis à 60. C'est merde. V. V. Bingo. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour. Vous avez quelque chose pour moi? Bon, comme je te l'ai dit, ce que tu as à vendre ne les intéresse pas. Pas du tout. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Ok, je dois parler à qui alors? Va à la chapelle sur Sloan et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu, merci. Oula, 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 le lag, le lag. Bah voilà, après on ira à la chapelle, impeccable. On ira prier un petit peu. Au nom du père, de la bière et du Saint-Whisky, amène l'apéro, de vanille. Donc c'est une catastrophe aujourd'hui là par rapport aux autres jours. Hein, c'est... attendez. C'est ce que je vais faire. J'avais retiré, on m'avait dit de retirer un truc, mais je pense que je vais le remettre. Graphisme. Et on va mettre en tout qualité, équilibrage, performance. Ça en mode performance. A l'air d'améliorer le machin. Ça fait comme je passe à un endroit, j'ai gros chute de FPS, mais que dalle. C'est... que dalle. Et là, je sors de. Enfin, je suis pas en pleine ville. J'étais à 50 FPS. C'est parti le mur hein.
par-dessus le mur. Bonjour. Rostovitch ? T'es bigleux en plus d'être con ? Y'a le logo Tektronica juste là. C'est un SPT 32 grades, le meilleur fusil de sniper de tous les temps, facile. Je viens me battre. C'est toi, Buck ? Ouais, en chair et en os. J'ai le portefeuille qui frétille rien qu'en te regardant. Je mise tout ce que j'ai contre toi. Je te trouve bien sûr de toi. Je vais l'éclater. Je vais te montrer pourquoi. Ce bras est de qualité militaire. Os en titane, fibre de carbone. Je pourrais transpercer un char avec mon poing. Alors, t'es partant ? Ou bien t'es en train de pisser dans ton froc ? Ah merde, attendez. Ça va m'emmerder. Ce fusil, c'est un grade, tu dis ? Tu l'as eu où ? Un petit souvenir de l'armée. Pourquoi ? Simple curiosité. Paraît que c'est une série limitée. Seulement 300 exemplaires fabriqués pour le KGB. Eh ben dis donc, on dirait que j'ai affaire à un fanat d'armes. Mais on n'est pas là pour parler de flingues. On est là pour briser des os et du chrome. Alors, t'acceptes mon offre ou pas ? Oh merde. Est-ce qu'on fait le fou ? Est-ce qu'on fout les 12 000 pour le sniper ? Ça pourrait être intéressant. Récupérer un petit sniper comme ça. Ça pourrait être utile, un de C4. Non. Je préfère augmenter la mise. Je te l'ai déjà dit. Je mise tout ce que j'ai. Parie aussi ton fusil de sniper. Sauf si t'as peur. De toi ? Tu m'impressionnes pas. D'accord. Je mets le fusil sur la table. Viens, suis-moi. Je vais l'éclater. Prêt ? T'as pas trop peur, j'espère. Je suis impatient. Alors, ça te plaît de te faire massacrer la gueule ? Putain, par contre, lui, il est... C'est ce que je pensais. T'es tout en sucre. Préviens-moi si tu veux ta revanche. What ? Fais un bon punching ball. Je viens de perdre 12 000 balles. Par contre, c'est quoi son niveau ? Il a pris le mec, il avait un niveau. C'est quoi son niveau à lui ? Parce que là, pour me faire éclater comme ça... c'est quand même étrange, hein. Moyen. Ouais, mais le mec, il a un niveau bien plus élevé que moi. Je vais me faire éclater, tant pis. Alors, on va continuer cette mission-là. Là, il y a la chapelle. 100 mètres, ok. C'est pas très loin. Ah.
Ah, je peux pas monter par là. C'est embêtant ça. Je suis à moitié robotique et j'arrive pas à sauter d'immeuble à immeuble, c'est magnifique. Tranquillement faire le chemin à pied. Hein. Si on pensait bien, je tombe sur des trucs en plus. Sympathique. Ah, je tombe dans un quartier ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Voilà. Normalement, j'ai réglé le problème. Allez, on va récupérer tout ça. Je sais. C'est pas là. C'est là, voilà. Et parce que du coup, je vois les mains là. Et je sais pas comment on fait pour les changer. J'ai des mains normales en fait. Ah bon, on peut vraiment les changer donc. Le truc c'est que je vois pas comment l'inventaire. Peut-être là, matériel cybernétique. Ah, main. En même de là, je vois pas. Peut-être ici, peut-être. Que j'améliore, il faudrait que je trouve des améliorations. J'ai trouvé un comment s'appelle charcutoc, tout ça. Trouver des pièces assez sympathiques à récupérer à droite à gauche pour améliorer, je sais pas, la vie du perso. Ta résistance, il y a j'ai 3000 points tous. Ah oui, quand même, j'en ai récupéré du merdier. Ça.
tout le pognon que j'ai perdu. Faut que je me refasse. Attends, ne dis pas que c'est une robe Jinguji. Tu préférerais que je te montre? Merde! Sympathique, un petit peu de démembrement. Regardez donc. Si c'est pas beau ça. Ah non, c'est pas beau mais bon. Bref. Ça, ça. Avec la police, est-ce qu'il y a des policiers à terre? Même pas. Hein. Hé hey les gars, y en a un qui veut se la jouer. Un petit séjour en prison, ça va te calmer. Hein. Je viens de l'aider, c'est comme ça qu'il me remercie. C'est pas mal. Ah bon? Je me demande s'il y a des trucs là, je sais pas si je me demande si je peux monter tout en haut. Sympathique. Quittez Zoli et t'es posé avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel. L'été dernier, nan nous, tu t'es songé la vie sous Zilla. Avant la meilleure. Et toi, V, on t'attendait. T'es mon contact? Vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot? Je ne suis qu'un intermédiaire. T'en sauras plus. Bientôt. Je veux parler à Brigitte. Elle est dans le coin? Non. Va au centre commercial, près du croisement. Il y a une boucherie là-bas. Demande à voir Placide, il te donnera les détails. Écrasé sous le trait noir. Non! Tiens, j'ai déjà vu quelque part ce symbole. J'ai déjà vu quelque part le symbole. Ah, c'est là. C'est fait. C'est le gang le plus taré de cette ville. Ils acceptent. Ah oui, d'accord, on est dans une zone de non-droit, quoi. Pas sauter tant qu'on l'a toujours fait. N'y pas fait aucun sens pour ces lits. Je cherche Placide. Placide. Gardez ici, là. Dodo, ti, petite maman. C'est vous-même. Continuez. Placide, gardez là. C'est ou pas dodo, crabe la va manger. C'est ou pas dodo, crabe la va manger. Maman ou pas là, allez, allez. Toi, Placide? Placide? Oh, merde. Hey, qu'est-ce que tu fous?
croyais que c'était toujours interdit de vendre de la volaille. Les oiseaux sont censés être malades depuis 6 ans. Tu les as guéris, un coup de baguette magique? C'est pas pour vendre. Qu'est-ce que tu veux? Ah, oh, pour que je reconnecte encore Discord, parler à Brigitte. Bon, dès que j'appuie sur un truc... T'as été envoyé vers moi. Et tu vas m'en dire plus sur le boulot? Oui, mais pas ici, suis-moi. Où on va? Un quartier qui déchaîne les passions. Une véritable ville dans la ville. Vous nous dehors! Suis-moi. Défends sur la carte de notre villa. Nous c'est Pacifica. Urbain en devenir. Tout cela et plus, aujourd'hui. Bienvenue à Pacifica. Il fait penser à un pirate. Bien à Pacifica? Non. Faut dire que vous êtes pas du genre à déployer le tapis rouge pour les étrangers dans le quartier. Ça devait être une ville à part entière, où les costards auraient pu flamber leurs édits. C'est un circuit fermé. Les corpos gaffent de cash leurs moutons, qui leur crachent direct. Tous les gadgets qu'il y a ici ont été financés par le fric des corpos. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est le GIM, le Grand Imperial Mall. Le plus grand temple de l'avarice dans Pacifica, et aussi le plus laid. Jamais achevé. Jusqu'à la semaine dernière, il était abandonné. Vide. Et maintenant? Les animaux sont entrés. J'ai l'impression que c'est quand même plus moche que le dernier coup. Automatique. Ils ont fait leur tanière. Qui étage? Deuxième. Et Placide. Hé Placide! Où est-ce que ça où t'es pilote? Ok, moi ne pas le venir plus tard. C'est ça? Lovely? Tant pis. Un nouveau débilité et du garçon. Ma merde! Vas-y, petite moi. Oh! Ou pas de besoin. Il y a l'autre qui gagne les plus mal. Peut-être. Mais ça, c'est pour vous. Man, pas un employeur réponse. Merci. Viens, c'est plus très loin. Si mon gars tout si bête que ça, c'est volé. L'hypagisme. Placide, vous avez une minute? Pas j'en ai. Mais où t'es-tu? Pita et Mélé, moi pas oublié. T'as déjà eu affaire aux animaux? Ouais. Quelquefois. Tu veux que les animaux se libèrent le GIM? Qu'ils disparaissent? C'est pour ça que t'as besoin de moi? Tu sauras tout, très bientôt. Allez. Parti pour une session. One Man vs Army encore. Ça rime à rien qu'ils soient là. Au milieu de Pacifica, sans renfort, okay. Isolé. J'ai pas de territoire. Merde, même la flicaille met pas les pieds ici. Ils essaient de vous provoquer? De vous faire faire un truc stupide? Ils quittent pas le GIM. Ils sont combien à peu près là-dedans? 30, peut-être plus. Vélina, on parle ici. Assieds-toi. Quand est-ce que je vois Brigitte? Tu fais le job, pas avant. Qu'est-ce qui te prend? Commence par me dire ce que tu veux faire. T'as accepté le job. Tu fais ce que je te dis. Connecte-toi. Maintenant! Et merde, c'est parti. Bon, bah au moins, il risque pas de te bassiner à mort. Pourquoi t'envoies pas tes hommes au GIM? Pas notre façon de faire. Et elle marche, votre façon de faire? Elle marche bien, la plupart du temps. Ton chaman du Chrome, c'est Victor? Oh merde. C'est vraiment important? Ou t'essaies juste de me faire peur? Tu dois être à la hauteur. J'ai besoin de savoir. Cette puce, elle a pas de signature. C'est quoi?
C'est fou. C'est à cause d'elle que je suis là. Et que je veux parler à Brigitte. Elle te rappelle vraiment rien. Pourquoi? Elle devrait? Je vois juste qu'elle est endommagée. J'ai pris une balle dans la tête. Elle marche plus depuis, voilà pourquoi. Je fais quoi une fois à l'intérieur? La camionnette. Là, à 20:35:07. 3 secondes avant, pouf. On essaie de savoir d'où vient la camionnette. Elle est trafiquée, cette camionnette. On n'avait pas remarqué. Eh, j'essaie juste de comprendre, ok? C'est de la tête de pointe, pas vraiment le genre de cet tas de muscles. Il la surveille de très près. Je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Placide. Batman Kelly a descendu encore. Fais mes potes là. Tu veux faire une pause? Je crois qu'on a besoin de toi. Ils vont s'en sortir. Concentre-toi. C'est pas les animaux qui vous intéressent. C'est juste des mignons, ils bossent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une camionnette bourrée de têtes de runner. Et c'est là que j'entre en jeu. Pour débusquer qui? Commence par la camionnette. Te fais pas repérer. Évalue juste la situation. Maintenant, tu es synchro avec réseau à gauche, notre sous-réseau. Hein? Pourquoi faire? Tu es mon vaisseau. À travers la gauche, je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Je vais te guider dans le GIM. Une voix de plus dans ta tête. Tu vas faire la fortune de ton psy. Alors? Excellent. Gardez à l'œil. Bonjour la confiance. Ok. Y a autre chose que je dois savoir? Va voir mes hommes près du centre commercial. Ils te diront comment entrer. Oh merde. Oh merde ça. Parlons salaire. Combien tu m'offres et comment je le récupère? Hans dit que tu fais pas ça pour l'argent. Il dit que tu as un problème. Occupe-toi du GIM pour nous et Brigitte le réglera. Ouais. Sauf que maintenant j'apprends que je dois servir de cible vivante pour vos ennemis. Ça veut dire que mon tarif vient d'augmenter. On verra. Je te promets rien. Ok. Je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte. D'accord? Ouais. La sortie est au bout du couloir. Descends. Mes gars te laisseront passer. Eh ben. J'ai 33 messages sur le téléphone. C'est pire que sur GTA, ce jeu. C'est beaucoup... C'est pire que sur GTA, 33 messages. La dernière fois que j'ai autant de messages sur GTA, c'est quand j'ai tous deux. Quoi? Test de stabilité, la liaison de ton côté, elle marche? Non, elle marche pas, toi. Ouais. On dirait. C'est bon, j'y vais à pied, hein, 400 mètres. Tente, hein. On est parti pour platformer. C'est quoi déjà ce jeu Mirror? C'était Mirror Edge, je crois. Mirror Edge. Sauter de tour, toi. Sympathique comme quartier, hein, totalement défoncé. Écoutez! Écoutez-moi! La lutte finale est arrivée! La lutte... T'as pas une clope? C'est mes gars, va les voir! Bonjour. C'est toi, V? Non. Il paraît que vous savez comment on entre. Oui. Garage, derrière. Mais chut. Pas de bruit, ok? Il s'est passé des trucs intéressants là-dedans? Depuis qu'on est là, tout est calme.
Personne n'est entré ou sorti? Ben... ils sont sentis faire des coups aussi une fois. Super, vu les infos. Thank you. Ah, c'est ce qu'on appelle du guetteur, ça, hein. Coucou. Les toits, ça m'arrangerait un petit peu. Je peux pas, je peux pas. Putain, Choum, j'ai tout le temps dans les nerfs. Hein, tu fourrognes. Eh ben, assume, être un gros connard, c'est le pire. J'en vois deux. Ils sont assis. Et rien. Ils restent assis là à regarder. Oh merde. Eh ben ils vont. Tu l'es, un par un. Si tu as pas le choix. Je te ferai rien. C'est promis. Mais quoi? Mais d'où? Allez, on débande pas. Chargez. Tu peux me lever, merci. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est de l'infiltration. Ça, c'est de l'infiltration. Oh, monsieur, je... Merci. Monsieur, s'il vous plaît, voilà. Arrêtez. Non, bah, arrêtez de bouger. C'est malsain, monsieur, tout ça. Qu'il soit bien tous. La même esprit que ça va se relever par la méchie du Saint-Esprit. Voilà. Ok, j'y suis. Je vois. La camionnette. Trouve-la. Ouais.
La caméra dans le couloir. Évite-la. Elle marche au moins? T'as dit que l'endroit était abandonné depuis des années. Il ne l'est plus. Les animaux ont réparé les caméras. Tu nous prévenir. Attends, c'était qui ça? À ton avis, le runner qu'on cherche a essayé de t'envahir. Avec la glace supplémentaire qu'on t'a fournie, tu crains rien pour l'instant. Donc, il sait que je suis là. Oh merde, j'ai passé de force. Je peux avancer ici de toute façon. Y a par abattre des rhinocéros, la furieux qui arrive sur moi. Peut-être. Tirer entre les murs, ça les murs, c'est pas mal ça aussi. T'as l'étage, hein. Il plaisante pas ce connard! Personne ne sait que je suis là. C'est l'atrium central. Je cherche la camionnette. Excusez-moi madame, mais vous êtes pas mon style, hein. On s'est niqué, putain! Par contre, là, je lui mets en pleine tête, hein, quand même. On se fait niquer, putain!
suis tellement plus précieux que le pistolet, ça. Là, c'est quoi ça? Là, et salut Diesel, comment ça va? Comment vas-tu? Je suis en mission d'infiltration, d'infiltration. On ne doit pas faire de bruit, ne pas me faire repérer. Oui, bah oui, effectivement, hier. Ah, hier, je suis arrivé tard sur le serveur et j'avais pas envie de... J'attire pas l'attention, monsieur, j'attire pas l'attention du tout. Ils ne savent pas que je suis là. Ici. Bonjour. Encore là, c'est un truc basique hein, que j'ai fait. Ça, c'est basique. Le jour on aura le sang d'entraînement ou les speedy. Hein. Ça va être. Là, ça pète ça. Je suis un peu dans la merde. Je suis un petit peu dans la mouise. Une position qui est pas top. Si bon, tu l'as dit, ça commence à plus. C'est pour les munitions. N'attire pas l'attention. Je ne tire les personnes, personne, monsieur. L'homme le plus discret du centre commercial. Personne ne sait que je suis. Personne ne sait que je suis là. Je pisserai sur ton cadavre. Oui, moi aussi. Ah oui, lui je l'ai... Il m'a sacré quand même. Pour rien. Là-dedans.
toi non, peut-être. Personne en fait, personne ne meurt. Neutralise seulement. En fait, si les mecs voulaient, voulaient gagner la guerre, il faudrait qu'ils m'envoient. Moi, avec un flingue et masse munitions. C'est bon. Allô, qu'est-ce que j'entends? Ah, dans mon oreillette, on me dit que c'est quasi, j'entends pas bien le. Mon capitaine? Allô, mon capitaine? Ah non, je n'entends rien, je... Un code pénal ou ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par contre ici? Trouver la camionnette. Ah. Ils ont caché une camionnette dans ce foutoir. Je suis lourd comme un bœuf. Ah bah elle est là, voilà. C'est bon, je vois la camionnette. Ok, je suis devant la camionnette. Mais aucun signe du runner. Je vois ce que tu vois, pas besoin de parler. Interagis avec la camionnette. Oui, c'est bien, j'interagis comment? Ah, d'accord, ce côté-là. Tant que t'es là, tu pourrais me dire ce que j'ai sous les yeux? La carte du flux de données de Pacifica, il traque à Gwe. Qui ça, il? Netwatch. Il cherche toujours à nous éradiquer. Oh mais merde, ça me casse les couilles, tiens. Vous avez dû les énerver récemment, non? Ça m'étonnerait qu'ils lancent une attaque comme ça sans qu'on les provoque. Une seule raison, toujours la même. Réseau à Gwe. Un réseau qu'ils ne peuvent ni voir, ni toucher. Bon, je fais quoi maintenant? Tu dois atteindre l'agence, ça devrait être facile. Regarde sur la carte, il est dans le cinéma. Abandonnez, ce n'est pas votre combat. Merde! Quoi? Placide, quoi? On est coupé, il nous chasse. Le Netrunner sait que tu es là, traque-le. Oh là. Et donc. Ok. Et je fais quoi quand je l'ai trouvé? Je te le dirai. L'agent essaye de couper ta liaison. Il y a une porte derrière la camionnette. Attends, je vais l'ouvrir. Se calmer, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est du vitrage par balle, hein. C'est du blindax. Voilà. Vive aux conneries, messieurs. 50 net. Ok, maintenant va au deuxième, dans le cinéma. Ah, 30 secondes, hein. Moi je suis comme un bœuf encore. Faire un truc. Démanteler encore du matos. J'aurais pu mettre une option pour tout démanteler d'un coup, parce que là... Voilà, je pèse beaucoup moins. Fais attention. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir de la compagnie, scanne-la tout de suite.
À ce point-là? Elle doit avoir un point faible. Ces consolars auraient pu refroidir autant de gars de ma meute. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que vous devez vous maquiller. Viens voir. Voilà. Si j'arrive à arriver dans son dos, tranquillement. Merde. Allez, viens! Je t'attends! Oups, cassos. T'en veux encore? Cours. Excusez-moi madame, hein. Pas contre vous, mais... Missile. Qu'est-ce que je récupère du coup? Je récupère un flingue. Je récupère un... Si. Pas sympathique, mais pas le flingue, ouais. Oula, attention. Il est en quoi celui-là? Lander aussi. Elle est mieux, enfin elle est mieux, c'est moins bien. Là, il y a deux emplacements d'amélioration, là il y en a quatre. C'est de la merde, enfin. Je vais mettre aussi mes points. Non. Capacité et que je là. Parce que là, après ici et ici. Ça sent le coup par eux. À plein nez. Pirate-le. On doit accéder à leurs données, compris? D'abord, tu dois... Vas-y. Je le sens pas. Je le sens pas du tout, même. Je vais retirer mon silencieux là-dessus, de toute façon. Là. Au point où on en est. Poum, on repasse à 215 de dégâts. Là, ça va faire bobo. Toc toc toc. Oh, hey, doucement. Vous avez fait quoi? Maintenant, on peut pas. Ah, mon vieux western. Je viens de couper la connexion au reste de Pacifica. Ça va nous donner un peu de temps. Allez. Ok, je vous écoute. Vous aviez un spectre avec vous, non? Il voyait et entendait à travers vous, vous suiviez ses ordres.
Je ne sais pas combien les Voodoo Boys vous paient, mais on peut vous offrir plus. Je crois que je vais m'en tenir à mon plan. Neutralisation, voilà, impeccable. Je suis mort, ça y est, j'ai foiré, j'ai tout foiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey V, ça va? Donne-moi une seconde. T'avais la même gueule que lui il y a une seconde. Merci, je t'ai rien demandé. Oh, il s'est passé quoi? À ton avis, les voodoos t'ont enfumé, tu t'es fait rouler. Tu leur as servi de putain de drone kamikaze. On dirait que c'est tout ce que t'as gagné à les aider. Je vais clairement pas me laisser marcher dessus. Bien dit, gamin. Allez, direction le bâtisse, histoire de demander des comptes. Ce connard de Taiseux, j'espère qu'il aime les surprises. Je vais vous foutre mon flingue dans la bouche à l'autre là. Il va pas comprendre sa souffrance. Mission morte. C'est au fusil d'assaut, tranquillement. Tu veux parler à Placide? C'est ça que tu veux? Parce que je peux t'emmener. Je te suis. Rentrez. Je sens que ça sent le coup foireux, c'est pour ça que je le fais. Juste pour pouvoir buter encore plus de mecs. Maintenant il est prévenu d'arriver. Je te croyais mort. Je le croyais aussi. Je parie que c'était ton plan, hein. Une fois que je te servais plus à rien, tu m'effaçais. Très plat. Non, tu te trompes. Mosley t'a embrouillé le cerveau. Je l'emmerde, Mosley. J'ai des yeux pour voir. J'ai raison, non? La liaison était perdue, c'était pas le plan. Je t'ai vu cibler des marqueurs d'agents. Viens pas me dire que t'ignorais ce qui se passait. Viens pas me dire que j'ai pas vu ce que j'ai vu. Tu étais en zone de guerre. Tu as été touché, c'est tout simple. Je devais libérer mes gars. Ils sont trop importants. On a voulu te sauver aussi, mais Mosley, il était plus fort que prévu. Brigitte, je veux lui parler. Là, c'est à moi que tu parles. J'ai fait le boulot au GIM. C'était le marché. Toi et moi, on en a terminé. Assez. Il faut qu'on descende. Ce n'est pas terminé. Netwatch va revenir. J'en ai rien à foutre. Tu vas pas l'emmener à la crypte, j'espère. C'est un ragnon. Il a rien de spécial. Tu as vu les scans? Je les ai vus. Sati Konya, fais tout le monde sati. Vous devez être Brigitte. Vous êtes pas facile à trouver. Tu as quelque chose pour moi. Vous êtes au courant pour la biopuce, hein? Oui, et il faut vérifier son état. Vas-y, rentre-moi dedans.
Ils vous ont appris quoi, Mescan? Sûrement plus qu'à Placide. Vous avez reconnu la biopuce, vu que vous la recherchiez déjà? Il faut qu'on t'examine. Si tu as survécu au GIM, c'est grâce à la puce. Placide et moi, on n'est pas vraiment super potes. J'aime pas qu'on me cache des choses. Et putain, si j'entends encore ce gland marmonner, je... D'ailleurs, j'y pense. Ça veut dire quoi, Ragnon? Je vais tout expliquer, mais il faut d'abord vérifier la biopuce. Si elle est en bon état, on peut t'en offrir un bon prix. La puce a déjà subi des dégâts. C'est pour ça que je suis là, à la base. Elle ne fonctionne pas? C'est pas si grave. L'ennui, c'est que personne ne sait comment l'enlever sans risquer de me tuer. Vu que vous avez commandité le vol de cette saleté, je me suis dit que vous pourriez m'aider. Comment sais-tu tout ça? Comment nous as-tu trouvés? Evelyn Parker. Ce nom vous dit quelque chose? Ah, la poupée. La pute. Elle t'a mené jusqu'à nous. Elle n'est peut-être pas totalement inutile, finalement. Bon. Vous pouvez m'aider ou pas? Oui, bien sûr, mais pas ici. On va rejoindre la crypte. Là, tu devras nous donner accès à la puce. Quand on aura les données nécessaires, on fera de notre mieux pour t'aider. Bon, on va l'aider. Bon, je vous suis. Au point où on en est. Hein. Bah, où on en est. Vous avez l'air d'adorer cet endroit. Et franchement, je vous sens pas trop la fibre religieuse. On a laissé nos dieux à Haïti, mais on est fort ici sans eux. Par ici. Placide, comment ça se fait qu'il savait pas pour la biopuce? Il l'a pas reconnue sur les scans. Peu d'entre nous sont au courant pour la tour Konpeki. Et Placide, il est... Il y a une bête de bas. Ce qui veut dire con comme ses pieds, je crois. Ardo. Où est-ce qu'on va? Tu le sauras bientôt. Le Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. Il n'en est pas laissé l'occasion. Tant mieux. Ça nous compliquerait le travail. Moi, je sens qu'ils vont essayer tous. C'est un ancien tunnel de métro? Non. Un bout du réseau intercontinental Maglev. Quand tous les états étaient connectés. Comme le net, il s'est effondré après la guerre. Putain. Virez courant. Allez, on a pris des préservatifs. Allez. Bon, allô, pute. Ils ont pas compris le principe du train, en fait. Bon. On va t'emmener dans le cyberespace. C'est l'endroit parfait pour te laisser interagir avec le construct. Alors vous devez avoir votre propre version de l'interface Syntec. On a notre propre version de tout. On n'utilise rien qui vienne de la ville. Attendez, minute. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez besoin de Silver End. On veut contacter Al Cunningham. On sait qu'elle était proche de Silver End. Alt? La relique qui était entre les mains d'Arasaka. C'est notre seule piste. Alt Cunningham. Je connais ce nom. Oh. D'où? Et par qui? Par Johnny. Mais il m'a pas dit grand-chose. Johnny? C'est bon, V. Je crois que tu devrais lui dire. À propos de quoi? À propos de nous. Le construct est actif. Johnny et moi, on peut taper la discute de temps en temps. Mm-hmm. On regardera ça aussi. Quoi, vous croyez que j'hallucine? Que je me suis trouvé un ami imaginaire?
On ne sait presque rien sur la façon dont un engramme existe dans un réseau neural humain. Je vais vous dire un truc. C'est pas terrible pour l'humain. C'est quoi votre plan pour contacter Alt? On va tenter de récupérer une partie unique de l'engramme de Silveren sur la biopuce. Alt le saura. S'il lui reste une part d'humanité après toutes ces années derrière le mur noir, elle répondra. Quoi? Vous avez jamais parlé de percer le mur noir? Je viens de le faire. Direction connectée. Connexion instable. Jenny, on dirait que tu vas servir d'appât. Ça te dérange pas? Non, c'est bon. Fais ce qu'elle demande. Quand faut y aller. Qui m'a dit pas le protéger, lui? Léon avec Jean Kiri. Petite question, est-ce que je suis étanche? Parce que avec toute l'électronique que j'ai, ça va, hein. Bon. Il paraît. Et maintenant. Paris plongé. Johnny. Est-ce que je suis cyber étanche? Parce qu'on voit tous les ports USB connectiques à la con. C'est tout? Sérieusement? Notre forteresse de données. Notre forteresse. Les mecs s'en bat les couilles de tout en fait. Une passerelle vers le DeepNet. Alors, on fait quoi? On peut commencer. Tout est prêt. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silverhand pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt, et rien que Alt. Ça devrait prendre juste... Brigitte? Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas mal. Je vois pas ma tête. Traîner un corporat sur scène, le foutrage d'où, l'arroser d'essence et le faire cramer, c'est ça? Silveren! Hé, viens! On en est! Amène-toi, d'accord! Johnny! Johnny! C'est pas ton groupe! Johnny! Tu joues pas en solo! Johnny! Je suis le seul à avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre! Excellent. C'est mange concert, pour ou Kerry? Hein? Tu disais que tu viendrais pas ce soir. Pas si tu pouvais l'éviter. J'ai changé d'avis, chérie. Regarde-toi. Tout tendu et plein de sueur. Quel gâchis de whisky. Mmh.
Bon sens que c'était bon. Dommage que ça se résume qu'à ça. Quoi? C'est pas assez zen pour toi de fumer après le sexe? Faut aussi réécrire l'art de la guerre? C'est fini, Johnny. Nous, tout ça. Mais je pouvais pas disparaître comme ça, sans un mot. Rien t'oblige à partir. Je serai toujours... Ravie de me sauter quand t'auras pas trouvé mieux à te mettre sous la main? C'est un peu l'idée, hein. Allez, on va remonter ça. Ouais, et c'était ton jour de chance, on dirait. T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Ah, merde. Je trouve ça ouf, quoi. Ça. Putain, t'as décidé de me faire chier aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Comment tu peux manquer autant de subtilité? C'est bizarre pour un artiste. Ça baignait entre nous. Mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais c'est qu'un gros mensonge. Ce concert, Samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» On va en rester là pour aujourd'hui, hein? Tu peux te casser. Tu sais, je me disais... Tu pensais que ça voulait dire quelque chose? Qu'on était proches? Au point de pouvoir me faire chier sans arrêt? Ouais, eh ben tu t'es fait des idées alors. Où tu vas? J'ai un rendez-vous. Silverhand! Hey! Trop fort le son, Chou! Halt! Suits one when I come and down. Arrête. Garde ta salive. Don't kill me, cause I'm zeros and ones. Blaze away! Oh merde! On donne un autre concert demain. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Barrez-vous. Oh, oh, c'est un sanguin, ton mec. Non! Hey, où est-ce que tu vas comme... Johnny! Non! Allez vous faire foutre! Me touchez pas! Johnny! Lâchez-moi! T'ont vraiment pas raté.
Allez, réveille-toi. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Ça fait quoi? 2 semaines depuis ton dernier rafistolage? Ça m'emmerde. Voilà. Ta sale gueule m'a manqué. Ah! Foutaise. T'aurais au moins pu me passer un holocall. Pommard de mes deux. T'étais censé revenir pour ton suivi. J'aime ce gamin comme un fils. Ouais, je vois ça. C'est pas trop moche, là, en bas? Ben, on peut dire que t'en es à un point où, si je t'enfonce un tube de plus dans le cul petit, tu pisseras du café latté. Je t'ai aussi ajouté un foie synthétique. L'ancien ressemblait à un sac en papier rempli de merde. Génial. À moi la vie éternelle. C'est pas plus mal. Alt, elle est où? Qui est où? La femme qui était avec moi. Il m'a ramené que toi. Merde. Ils l'ont emmené. Personne n'a rien vu? Demande à ton sauveur. Il dit qu'il s'appelle Thompson. C'était toi, là-bas, sur Watts? Il faut qu'on parle. Bon. J'ai recollé comme j'ai pu. Mais ça devrait tenir. Repose-toi un peu. Quelques heures. Le temps que les sutures prennent. Ah. Johnny. Ah, et puis merde. Tu m'écouteras pas de toute façon. Qu'est-ce que t'as vu? Pas grand-chose de plus que toi. C'est elle qu'il voulait. Toi, t'étais au mauvais endroit. Et toi, t'es resté là comme ça, la bite à l'air, à mater comme un con en rêvant de demain. On se serait fait larder tous les deux si j'étais intervenu. T'as vu les réflexes du Zig? Non, bien sûr, il était trop rapide. Ce genre de tech, ça se trouve pas dans une poubelle. T'en as de la chance. Ton tuyau était bon. T'as eu des images. Dommage que mon tuyau se soit fait balancer à l'arrière d'un van. Tu comptes faire quelque chose pour elle? C'était bien ta femme, non? L'enlèvement d'Alt, c'est un dommage collatéral. Ils l'ont prise pour m'atteindre. Tu sais même pas comment elle gagne sa vie, hein? C'est une des meilleures runners au monde. Et après? Y en a d'autres? Non, son seul lien avec Arasaka, c'est qu'elle couche avec Johnny Silverhand. Elle bossait pour ITS ces derniers temps. Elle leur a écrit de la glace noire de compète. Impossible à contourner ou à dupliquer. Ah, allez, on va mettre ça. Faut qu'on se grouille. J'attends toujours. C'est elle qu'Arasaka voulait. L'enlèvement était un échange intercorpo standard. Rien de plus. Bon, un coup, évidemment. Attends. Alt avait rendez-vous avec toi ce soir. Elle disait qu'elle avait besoin de mon aide. Elle plaisantait pas. Arasaka en était pas à son coup d'essai. Mais Alt avait pu leur glisser entre les lames. Tu dis qu'elle avait la trouille, et que c'est toi qu'elle a contacté. Ouais. Et franchement, je comprends mieux pourquoi. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Le tueur d'âme, une IA, ça te dit quelque chose? Ouais, un peu. Une légende urbaine avec un nom vraiment pour âme. Tugur, le tueur d'âme existe. Et Tetsumba d'Arasaka viennent de recruter la runner qu'il a écrit. Tu réalises? Arasaka avec le tueur d'âme dans leur poche. Y a de quoi s'inquiéter.
Imagine un peu, Wonderboy. Maintenant. Arasaka va devenir invincible. Le tueur d'âme va refroidir tous les runners qui se risqueront à lui gratter la glace. Cool, tu me raconteras le reste en chemin. La vie... T'y crois pas vraiment, c'est ça? C'est un coup vieux comme le monde. Arasaka voulait me provoquer. Et ça a marché. Bon alors, est-ce que tu viens? Hein? Où ça? La tour Arasaka. On va récupérer Alt. Quoi? À deux? T'as complètement perdu la boule? On va faire un saut à l'Atlantis. J'ai quelques tchoums là-bas. Je t'attends dans la caisse, mais pas trop longtemps. T'attendras aussi longtemps qu'il faudra. Elle est où, Rogue, bordel? Assis. Pas bouger. Cherche Vren. J'ai ton autographe sur une facture, là. Et merde, c'est merde, ça. Direct, c'est ton jour de chance. Ah, merci, j'apprécie. Je te sers un verre. La même chose que d'habitude. Mission principale, non. Déjà, on boit un verre. Non. T'as pas vu Rogue? Il est en haut. Et je croyais que vous deux... Ouais, bah t'as du mal comprendre. Ah là là. Putain de merde! Hé, Juni, tu me files un coup de main? Je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais? Bah là, je te parle. Et maintenant? Maintenant, tu peux aller te faire mettre. Excellent. Quoi, t'as oublié à qui t'avais filé le job? Ou tu voulais buter deux fois? 3 minutes pour sortir du bâtiment, pas plus. Salut. Tu sais à qui il a causé? Un nom, c'est tout ce que je te demande. Johnny. Comment est-ce que tu vas, Engels? Il y a une réunion en cours, c'est privé. Est-ce que Rogue est là aussi? Ouais, mais... Ouais, je sais, réunion privée. J'ai entendu. Je te promets d'être super discret. Parlez comme un peu dans la pièce, bonjour. Je peux détester cette ville de merde. Johnny? Je te connais pas. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que tout le monde connaît Johnny Silverhand. Rogue, ça alors, ça c'est une surprise. On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Moi aussi, j'ai un boulot pour toi. Urgent. Mais ça paye bien. Bien. Te mêle pas de ça. C'est pas tes oignons. Si. Depuis que le Rocker a sorti son larfeuille. T'as pas compris? Il est pas du tout là pour le boulot. Il vient me faire chier. La dernière Alors, fois, sois plus maligne cette fois. Demande le pognon d'abord. Alors, le Rocker, combien? C'est Arasaka. Je comprendrai si vous refusez.
Tu voulais attirer mon attention, c'est fait. Mais si tu comptes sur une ristourne spéciale amis et famille, va voir ailleurs. Pourtant, vous deux, vous vous en prenez au corpo pour le fun, non? Pour le fun, ouais, mais pas gratos. On laisse ça au Rocker Boy. C'est important. Votre prix sera le mien. Ah, ça veut dire que soit t'es blindé de thunes, soit tu penses qu'on va y rester. Dans tous les cas, le Rocker, tu nous accompagnes. Marché conclu. C'est ça. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny! T'as pas remarqué que t'étais suivi? Monsieur Silverhand, vous allez venir avec nous. Pas de problème. Je finis juste mon verre. Contact ennemi! J'attaque! Quand on aura fini, faudra... Vous voulez jouer comme ça? Putain, quelle popularité! Prends-toi! À terre, immédiatement! Un hélico! Sérieux? Je dois avouer? Bien, bien! Il suffit de lourdes pertes! Continue comme ça! Ça rapidement. Je sens que ça va être blindé dans l'ascenseur d'ennemis. Ah non. L'ascenseur! Vite! Tu l'as pas volé! Ça va prendre encore longtemps? J'ai des montagnes d'emmerde. Parez ce que vous voulez qu'il y en aura d'autres en bas. Par contre, son flingue est cheaté, hein. Très clairement. Bon, une fois qu'on a fini ce passage-là. On est garé devant. Ce passage-là. Thompson m'attend dans la voiture. Qui ça? Un journaleux, tu me connais pas. Je te fais partir. Vitez à terre! Ah oui, d'accord, c'est un machin. Tu tires dans un mur, il y a. Presque en visuel, planque-toi! Une, ça transperce le mur. Deux, ça transperce le mur. Avec mon flingue, je pourrais même buter l'hélicoptère, ce serait peut-être sympa, non? Attention, on nous file le train! Yara, Saka! S'il touche la caisse, on est foutus! Pas mal ça. Il a fini de me tirer dessus par contre. Alors on fait quoi maintenant? Faut les spray, Fista. Prends la prochaine à droite. Tu tiens le coup? Je crois qu'on en est débarrassé. Vengare, qu'on puisse causer.
Ça a voté, excellent. Bon, alors qui on doit faire sortir de chez Arasaka ? Alt Cunningham, une Netrunner d'ITS. Ah. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmenée. De mieux en mieux. Vous comptez vous y prendre comment, les Pommards ? L'un de vous a un plan ? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Ce sera un concert mémorable. Nous n'avons pour l'heure aucune information sur le nombre exact de blessés lors des émeutes. Mais nos reporters sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial! T'es en train d'enregistrer tout ça. Pourquoi? Tu veux faire une dédicace à tes potes? Fais ce que t'as à faire, mais te mets pas sur ma route. Thompson, tu le connais bien ? Non, c'est important. Il m'inspire pas confiance. Et les médias, ça porte la poisse. Hein ? Ça craint. Imagine qu'on trouve une vidéo après. Une vidéo de nous forçant l'entrée de la tour Arasaka. On s'occupera de ça si on survit. Allez, ouais. On n'a pas beaucoup de temps. Ce serait quand le combat ? L'ordinateur central. Il faut qu'on trouve. Non ? Écoute. Toujours une porte. Donnez-moi une seconde, je m'en charge. Couvrez-moi. J'engage le combat. Attention, ils arrivent. J'en vois quatre. Ils viennent par ici. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y en a quatre qui répliquent. Arrosez-le. Encore 5 secondes et on entre. Donne-moi juste prêt. Une minute. Il va attaquer. Au boulot. Il faut aller où ? Bon, on l'a gagné. Contact ! Pas de surprise. Contact ! Ça s'est bien passé. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Repérer une tourelle. Comme toi. Une tourelle ou c'est une tourelle ? Y'a plus de tourelle. Alors, y'a d'autres candidats ? Non ? Il faut pas être loin. Des tourelles ! Attention ! On y est. C'est un port tellement blindé qu'il faudrait un temps. Quelqu'un a une solution ? Laisse-moi essayer. Oh, les fils de pute ! D'accord. Ah oui, non, mais c'est un journaliste qui se travaille avec du C4. Avec On a bien fait de l'emmener, finalement. Le jour des 6 sera avec du C4, normal. 2, 1... Parfait. Tu ferais bien de reculer. Contact. Attention. J'ai bien mon flingue, en fait. Contact, c'est sympathique, mais... Ah oui, lui est blindé, lui. Ouais, merde. On arrive trop tard. Je vous conseille de ne pas la déranger. Qu'est-ce que vous avez fait à Alt ?
lui offert le projet de sa vie. Dégage de là. Hé. Hey, tu m'entends? Halt. Elle est... Halt. Allez, me fais pas ça. Putain. Johnny. Qu'est-ce que tu fous, là? Putain, tu filmes encore? C'est tout ce qui reste à faire. Montrer la vérité aux gens. Ça changera rien. Elle est... Johnny! Arrête, Johnny! Tu vas le tuer! On doit partir. Johnny, elle est morte. Et puis moi, c'est vrai que je suis encore en train de me geler les couilles depuis tout à l'heure dans le machin. Bah vas-y, crache ce que t'as à dire. Wouah, tu visais le prix du trou du cul de l'année? Et moi qui craignais que tu veuilles me remonter le moral. Alors, quoi? Qu'est-ce qui te choque? Bon alors, peu t'es importe. Prêt? Mais tu m'avais caché des choses sur Halt. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je sais pas. Que vous étiez en couple? Qu'elle a codé le tueur d'âme? Qu'elle est morte? Comment elle pourrait nous aider maintenant? C'est un fantôme. Elle est pas morte. Elle a réussi à s'échapper. J'ai vu son corps. Halt s'est enfui. Sur le net. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Mais qui pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. Allez, foutons le camp d'ici. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est. Derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à le percer. Juste pour contacter Halt, pour lui parler. En plein dans le mille. On a extrait un fragment de l'engramme de Silver End. Maintenant, on est prêt à contacter Halt. D'abord, on doit aller plus profond. Au-delà, il n'y a plus de frontières. Nous sommes dans la matrice, mesdames, messieurs, c'est la matrice. Au-delà du mur noir. Peu de gens sont passés de l'autre côté. Aucun n'en est encore revenu. Oui, c'est crémure quand même. Elle sera la première. Dites-moi, c'est le président Trump qui l'a monté ou c'est comment? J'ai fait ma part du marché. À votre tour. Avant de traverser ce mur, vous allez me retirer la psyché de Johnny. Nous n'allons pas le traverser. C'est toi qui emmèneras le code de l'autre côté. Merde. J'aurais dû m'en douter. Vous avez jamais eu l'intention de m'aider, hein? Ça n'a plus d'importance. Tu vas apporter la fin de tout. J'ai pas vraiment le choix, on dirait. Vas-y. Comment je fais pour le traverser? Alibaba, ouvre-toi. Non. Brigitte? Oh.
Halt! Johnny. Non, pas trop, non. Tu ne peux pas rester ici. Halt Cunningham. Halt! Qu'est-ce qui se passe? Discutons ici. Détends-toi, je m'en occupe. Johnny. T'as traversé le mur noir pour me voir. Ça veut dire qu'entre toi et moi, ça va? Tout va bien? J'ai reconnu le code de ton engramme. Mais j'ignore pourquoi tu es là. Pour que tu puisses me remercier de t'avoir sorti de la tour Arasaka. V, je te présente Halt, la meilleure netrunner de l'histoire de Night City. Halt, voici V. Il faut que tu lui sauves la vie. Tu as cette pris puce, des... la relique. Elle est en train de me tuer. Le construct sauvegardé dessus écrase mon système neural. Je vois ça. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Il faut qu'on te l'explique. C'est toi qui as créé le tueur d'âmes. T'as donné à Arasaka une arme surpuissante qui nous a détruits. Toi, moi et la moitié des runners de Night City. Tu es le seul responsable de ta mort. Putain, Halt! J'ai plongé à ta recherche. Tu vas me dire que t'en as rien à foutre, c'est ça? Oui. La Halt Cunningham que tu as tout fait pour sauver dans la tour Arasaka n'existe plus. Ça devrait te sembler évident, puisque tu es responsable de sa mort. Ok, je comprends, tu détestes Johnny. Mets-moi là-dedans. Je ne peux pas t'aider. Tu peux pas ou tu veux pas? Je ne peux pas. Pour pouvoir essayer, il faudrait que j'aie accès à une technologie plus avancée. Intéressant. Brigitte prétendait être la seule à pouvoir m'aider. Les Voodoo Boys t'ont menti. Ah, pourquoi ça me surprend pas? Bon. Et Mikoshi, t'en dis quoi? Ce serait assez avancé pour toi. Si j'avais accès à Mikoshi, alors elle cesserait d'exister. Bien, on va pouvoir s'entendre. On te fait entrer dans Mikoshi et tu aides V. Marché conclu? Concrètement, tu peux faire quoi pour moi? Tout le monde m'a dit que c'était trop tard pour moi. Tout le monde, ça veut dire Hellman? La crevure qui bossait pour Saburo? Avec le tueur d'âme intégré dans Mikoshi, je créerai un construct de toi, puis je démêlerai ton réseau neural de celui de Johnny. Ensuite, je réinjecterai ton engramme dans ton enveloppe charnelle. Bon, on a un plan alors. Mais comment atteindrez-vous Mikoshi? J'ai créé des armées qui ont échoué à s'y introduire. C'était des enfants, Gunet. C'est ça le problème. Parce que moi je suis une arme sur pattes. Mise sur le facteur humain. On va ouvrir une fenêtre, te faire entrer dans Mikoshi. Alors, on est d'accord? Oui. Trouvez un moyen d'entrer dans Mikoshi. Je vais préparer un programme pour vous aider à naviguer sur leur réseau local. Je te contacte comment quand je suis prêt? Voici une adresse de forum. Ce sera notre canal de communication sécurisé. On fait quoi pour les Voodoo Boys? Tiens, voici mon backspace, vas-y. Pas de message. C'était nos conditions. Non. Tu as réussi à survivre alors? Ce serait intéressant de voir comment va tourner votre marché avec Halt. Ce sera pas facile de la manipuler, et j'ai l'impression que c'est tout ce que vous savez faire. Tu oses me faire la leçon? Je préfère qu'on règle nos comptes. J'aurai pas de meilleure occasion. Ça suffit. Halt peut te protéger dans son royaume, mais ici tu es dans le mien. C'est vrai. Je devrais m'en sortir quand même. Tu
Voilà. Quelqu'un d'autre? J'ai cru que j'allais sortir quand même mon pistolet. Hein. Je suis déception d'avoir sorti la mitraillette, le fusil d'assaut. Ah, équipé. Ça. Bonjour messieurs, vous allez bien? Oui, salope! Comme vous pouvez voir, j'ai encore un bug de vie en haut. Anukume! Un bug, hein. J'ai la vie qui apparaît pas. C'est pas grave. Bonjour. C'est pas la police. Vous voulez le vivant et après-le. Comment vous allez faire pour rentrer dans la tour machin Mikoshi, je sais pas trop quoi. Je rentre par port d'entrée, je suis avec tout le monde et puis on accède au réseau. Plan numéro 1. Plan numéro 2, je rentre par le port d'entrée. Flingue tout le monde, je me replie, je continue à flinguer tout le monde et après je re-rentre par la porte d'entrée. Et après on se connecte au réseau. C'est quoi? C'est la biopuce? Ah, la première excellente. Ouais, ça? Ou alors je suis enceinte? Ah, t'es sûr? Ça doit pas être si grave, si t'en rigoles. Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Ouais, je sais. Anéantir Asaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Hey, t'es vraiment en train de devenir comme moi.
pas le moyen, vu que t'es manipulateur, égoïste et cynique. Chaque fois que t'ouvres la bouche, c'est pour chier sur quelqu'un. Tu sais, on arrive à s'entendre quand il le faut. Il serait peut-être temps que tu me fasses confiance. Allez, foutons le camp d'ici. Tu peux être charmant quand tu veux. T'as du charisme. Mais je me souviens de cette bombe que t'as fait sauter en plein centre-ville. Sans hésiter. Sans remords. C'est Mikoshi que je visais. Je voulais la détruire. J'ai laissé assez de temps à Arasaka pour évacuer le bâtiment. Tu savais qu'un tas de gens allaient mourir. Fais pas semblant. Toi aussi, t'as pris un paquet de vie. Tu crois que c'est le nombre, le problème ? Bon alors, t'es prêt ? C'est vrai. Peut-être qu'on se ressemble. Non, on est différents. Ce jour-là, dans la tour Arasaka, j'ai eu aucun doute, aucun regret. Tu peux dire ça si tu veux, mais je sais très bien que c'est faux. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survis. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment ? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Ouais, peut-être. Ça t'a fait comment ? Quand t'es mort ? J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps, t'as mis 50 ans à imprimer ? À Mikoshi, c'était comme si je dormais. J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois. Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Ou je confonds avec ta mort. Allez, ouais. Foutons le camp d'ici. On se remet au boulot. Ok, c'est parti. Bien, bien, bien. Merde. Encore un dysfonctionnement. Bon, écoutez, moi je vous laissais là, après ces 2 heures et des brouettes de live. Hein. Je vais parler là-dessus, de toute façon. Que je vous laissais là. Hein. Merci à ceux qui sont passés, dire bonjour. Merci à ceux qui sont restés regarder. Merci à ceux qui regardent l'Ardif. Et puis peut-être à ce soir pour GTA. Voilà. Allez. A plus.